Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui journée patch, journée nouveau commandant légendaire, nouvelle civilisation du très très lourd. On a tous les détails du patch dans cette vidéo. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, si vous voulez retrouver toutes les infos en avant-première, les screens et bien plus encore, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis, commençons. Tout de suite, parce qu'il va arriver dans ce patch énormissime. Il a lieu actuellement. Je vous publie une nouvelle fois la vidéo durant le patch. Comme ça, vous pouvez la voir et savoir tout ce qu'il y aura eu comme ajout dans le patch. Alors regardez si on va voir tout de suite dans les packs qui existent et les bundles. Vous savez, on a l'offre journalière. Et au niveau des commandants actuellement, juste avant la mise à jour, hein, si vous cliquez sur changer, regardez, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 commandants accessibles légendaires. Alors évidemment, vous pouvez en avoir moins. Ça dépend de l'ancienneté de votre royaume. Mais si vous êtes sur un royaume suffisamment ancien, vous avez exactement les mêmes que moi. Les derniers ajoutés étant Attila et Takeda. On a eu aussi. Tomiris lors du dernier ajout, mais on a une nouvelle mise à jour et donc un changement au niveau de ces coffres. Ils n'en ont pas parlé bien évidemment. Si vous regardez le patch patchlog, hein, ce n'était pas dedans. Ils se focus sur les sieves et sur les nouveaux commandants. On va aller voir après. Regardons tout de suite. Ce nouveau, ces nouveaux commandants hein, que nous retrouvons. Alors regardez, on retrouve Honda, on retrouve notre ami qui sert à rien. Non, il sert pas à rien. Chez Ok, il est pas mal en open field. Regardez tous ceux qu'on retrouve. Hein. On en retrouve énormément. On a même Zenobia, on a Harald, on a William 1 on a YSS, on a Theodora. Il y a tout simplement. Tous les anciens commandants, ceux qu'on peut retrouver dans la taverne légendaire, presque tous, hein, tous ce les il ne sert vraiment à rien, c'est lui qui ne sert à rien, c'est Pas Pascal Second, vraiment, c'est très lourd, hein. Trajan, c'est vraiment un gros, gros avantage. Pour beaucoup de joueurs, hein, et pas que les grosses baleines, hein, même les middle spenders ou même les low spenders, ceux qui n'achètent que ce coffre qu'on peut avoir pour 5€ euros en offre complète, sachant que le prix sur iPhone s'est aligné sur, enfin le prix sur Android plutôt s'est aligné sur le prix sur iPhone. En regardant, on y revient, donc normalement tout le monde, toute plateforme confondue, paye 5€ euros pour avoir les trois coffres. Beaucoup de petits joueurs. N'achète que ce petit coffre-là. Et je vous disais, hein, c'est les mêmes commandants qu'on va retrouver à présent dans le la taverne légendaire. Si vous êtes en KVK, vous avez la taverne légendaire. Et si on regarde les commandants auxquels on peut avoir accès, normalement, ça a été aligné, si je ne dis pas de bêtises. Hein. On a les mêmes commandants dans la taverne légendaire et dans le, le coffre de récompense journalier. Je, passe, je parle au niveau des derniers commandants. Regardez, ils y sont bien tous. Normalement il y en a même plus encore dans l'offre journalière Alors je vais vous faire tout de suite une petite ouverture à 10 comme je vous l'ai déjà dit La petite ouverture gratuite hein, ouvrez que par 10 Et j'ai euh, bien évidemment un saladin ça fait toujours plaisir d'une petite ouverture à 10, qu'est-ce que je vais avoir Est-ce que j'ai au moins 3 sculptures Non, j'en ai eu que 2. Donc, c'est un tirage qui est bien éclaté. Hein. Du coup, j'en rachète 5 au total. Il ne me restera plus que 5 à avoir. Passons à présent, les amis, à ce patch. Alors j'espère que vous avez téléchargé la mise à jour en avance hein, pour avoir les récompenses. Et regardons donc Lilith nous a sorti une vidéo. Où tout est en détail, il y a vraiment exactement tout ce qui arrive dans le patch avec des screens à l'appui. Donc on retrouve hein, Kevina, Kevin et Brian hein, qui sont là. Kevin n'est pas là. Il est en train de bosser lui pendant que font les kékés et font les beaux. Hein. Il faut bien qu'il y en ait qui bosse. Il est en train de patcher le serveur. J'espère. Que la mise à jour durera bien 3 heures et pas plus. En plus, les mecs, hein, ils sont sur leur petite balancelle, sur la terrasse des locaux de Lilith. Vous le voyez, on revoit cette, cette, toute cette mise en scène déjà cette vidéo. Que Lilith a fait pour vraiment anticiper et faire une grosse sortie pour l'Egypte. Je vous le rappelle, c'est un enjeu majeur. Les nouvelles civilisations pour Lilith. Hein, Donc Kevina nous montre un petit peu la terrasse hein, avec de la fausse pierre, bien évidemment, qu'on a mis en vêtement. Donc on parle de la new civilization. La nouvelle civilisation. Regardez, je vous ai fait des arrêts sur image sur ce qui est important sur cette vidéo. Enfin, sur ce que moi je trouve important. Regardez déjà le thème de cette nouvelle civilisation égypte. Regardez comme c'est beau, comme c'est bien fait. Et les détails des bâtiments. Alors, autant la mise en place de la ville, elle est sympa, mais sans plus, elle n'est pas extraordinaire. De mon point de vue, ça manque de route. Hein. Regardez sur les côtés, on voit les fermes, etc. Mais sinon, regardez le détail de l'hôtel de ville. Personnellement, je le trouve magnifique, vraiment splendide. Ça me fait autant penser aux Incas qu'aux Égyptiens. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous quel est votre avis, mais moi quand je vois ce thème de ville, et je ne fonce pas tout de suite, il hein, faudrait mettre un peu plus de pyramides, hein, sûrement bourrin comme je suis, pour que je me dise ah oui, c'est l'Égypte. Mais en tout cas, cette petite forme ronde me fait aussi penser aux Incas. Et regardez le détail des bâtiments. Franchement, quand je compare aux vikings, aux soins des bâtiments vikings. Je préfère largement ce style de ville-là, ce thème de ville-là. Perso, donc, je trouve que c'est très très réussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vous en pensez. Je testerai cette civilisation, bien évidemment. Alors on continue et regardez déjà le nouveau thème de ville. Dans la prière d'Esmeralda. Ils le disent dans la vidéo. Hein. Dans le nouvel event, hein, la prière d'Esmeralda. On va pouvoir récupérer un premier thème de ville. Alors franchement. Autant les stats, bon, cavalerie défense plus 5, hein, la vie des archers moins 5, les stats elles sont pas ouf, hein. c'est sympa la défense, on aurait préféré bien évidemment de la santé, mais on va se contenter de la défense, c'est toujours mieux que de l'attaque. Mais le skin en tant que tel, perso, je le surkiffe, je le trouve vraiment magnifique, extrêmement bien fait. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais c'est cool qu'ils soit en première d'Esmeralda parce qu'on pourra tous la voir. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas oufissime. J'aurais préféré ce skin avec des stats légendaires. On va le voir, hein, le skin légendaire a été réservé pour le Zénith du pouvoir. Donc, beau skin, mais les skills ne sont pas ouf. Et regardez, on va voir le skin qu'ils ont réservé justement pour le Zénith du pouvoir. Alors là, oui, on est sur du plus lourd, on est sur du plus 15 en infanterie attaque. Alors c'est pas mal, mais l'attaque c'est moins bien que la défense et c'est moins bien encore que la santé. On prend vraiment une grosse pénalité en cavalerie défense et en archer attaque. Et pour un plus 15 en attaque d'infanterie, ça peut être pas mal sur un rallye, sur un rallye avec Pacal par exemple, hein, ça peut être pas mal du tout. Mais là en revanche, autant les stats sont sympas sans être ouf. Autant le skin, bon, il n'a rien d'exceptionnel. Je suis déçu. J'aurais préféré qu'ils inversent. J'aurais préféré ce thème-là pour le skin standard. Hein, le skin qu'on a dans la prière d'Esmeralda. Et la pyramide qui claque trop. Vraiment, ça, j'aurais aimé la voir avec des stats légendaire ça aurait été plus sympa encore une fois mettez-moi votre avis en commentaire on va l'avoir très vite tout ça le skin de nuit est pas mal comme vous voyez un hein, moins 5 en cavalerie défense et moins 5 en attaque des archers donc là on repasse Kevina et Brian nous font leur petit pitch ils nous disent c'est de la balle elle a pris un peu du poids hein, j'ai l'impression Kevina hein, faut qu'elle arrête d'aller à la cantine de Lilith à mon avis elle doit être bien bonne regardons donc la suite une petite vidéo encore une fois hein, qu'on n'a pas encore vu à ma connaissance vraiment très sympa ils sont vraiment donné beaucoup beaucoup de mal hein, de mon point de vue lilith pour cette sortie c'est un gros enjeu pour eux, encore une fois, à chaque civilisation. Et là, on arrive sur un petit ébène euh, pardon. L'événement qui va être l'alliance, le quiz d'alliance. Hein. On va pouvoir s'inscrire. Ils nous disent dans la vidéo, hein, pensez bien à vous inscrire avec les officiers, à tout programmer. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il faut répondre. En fait, c'est un quiz d'alliance car il faut répondre en alliance. Et plus il y a de mauvaises réponses dans l'alliance, plus on est pénalisé. Et... Je suis surpris hein, de ce qu'ils vont, qu vont dire par la suite. Ils disent qu'on voit les réponses des autres. Alors je suis surpris parce que si on voit les réponses des autres, il suffit de se dire qu'on réponse tous comme X ou Y, hein, un mec qui a un peu toutes les réponses, et tout le monde le suivra. Regardez en tout cas ce qu'on constate c'est que Lilith n'est pas ouf hein. Lilith a trouvé un petit moyen de nous gratter des gemmes encore une fois en haut à droite hein. Flash of Insight hein. et vous regardez on peut claquer 50 gemmes pour enlever aléatoirement une mauvaise réponse à un des joueurs qui aurait répondu de l'Alliance n'importe quoi, on peut enlever une petite mauvaise réponse, donc pour 50 gemmes, et on peut l'utiliser 20 fois, donc on peut claquer 1000 gemmes lors de cet event, ça fait quand même cher, mais. Si vous avez une baleine dans votre alliance hein, qui a beaucoup trop d'argent et qui fait le quiz avec vous, il va pouvoir vous aider. Et regardez au niveau de la question là, c'est la question 2. On voit déjà sur la partie supérieure hein, c'est un quiz d'alliance. On voit sur la partie supérieure les membres qui sont inscrits. On se aussi qu'on est sur un serveur bêta parce que regardez, 999 000 gemmes, 1 million de gemmes, même si Baba a plus par exemple et c'est pas le seul. Regardons la question, comme ça, ça vous donne un indice sur la difficulté. Lequel des speed-up n'est pas disponible dans Rock 3 jours, 6 heures, 3 heures, 8 heures, évidemment, c'est 6 heures, tout le monde le sait. Mais attention, il peut y avoir des questions pièges. Au tout début du jeu, il y avait un accélérateur de 3 minutes le jeu il n'est pas resté longtemps mais pour les puristes hein, qui l'ont connu il y avait trois minutes et maintenant si on pose la question la plupart des joueurs se tromperaient donc attention à bien répondre le mec a claqué flash of light hein. et regardez au niveau donc flash of insight hein, regardez au niveau euh, des récompenses alors ça ce n'est pas la récompense du quiz que vous voyez là hein. ce sont les récompenses regardez pendant l'événement hein, il va y avoir un tirage au sort des gouverneurs qui iront participer sur une création sur la page communautaire, donc la page Facebook, hein, et ils pourront avoir les récompenses indiquées là donc 2000 gemmes, hein, des accélérateurs. Bon, toujours l'élite normale. Ils font parler autour de leur mise à jour. Hein, c'est le but, hein, bien évidemment. Ils ont raison, c'est les règles. Et les récompenses sont plutôt sympas. Il faut juste aller sur leur page Facebook et mettre un petit poste de création. Hein, faut voir ce qu'ils demandent à ce moment-là. Sera posté après la mise à jour, donc dans la journée. Normalement. On continue donc, et il nous parle donc des nouveaux, ça fait beaucoup de donc, hein, des nouveaux thèmes, hein, là, les nouvelles euh, les nouvelles euh, plaques qu'on peut récupérer qui sont un peu éclatées. Et regardez donc, on a le nouvel event de log pendant 7 jours. Ça c'est bien, c'est un event accessible à tout le monde. Il suffit de se loguer pendant 7 jours et pour récupérer toutes mot 6 3, il suffit donc de vous connecter 7 jours d'affilée le premier jour. C'est un peu éclaté, mais c'est normal. Le premier jour, on récupère. Et là, regardez, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, excepté les accélérateurs, dès le deuxième jour, on a un item de switch de civilisation. Ils avaient dit que tout le monde allait pouvoir changer à sa guise. Hein. Eh bien, non, ce n'est pas tout le monde. Il faut se connecter deux jours d'affilée au moins. Et on aura donc le petit, petit item de switch de civilisation. Après, on a encore des accélérateurs pour le troisième jour. Quatrième jour, des étoiles, c'est éclaté. Cinquième jour, des gemmes, on prend. Sixième jour. Coffre de euh, nourriture, hein, de euh, food hein, au choix de niveau épique. Donc je crois que c'est niveau 3 ou 4. Et pour finir le 7 jour, on a à mon avis 10 cultures. Hein, ils mettent euh, des 7, donc c'est 10 cultures de euh, 6 3. Enfin, on va pouvoir le débloquer. Est-ce qu'il faudra le monter Ça dépendra des rapports. Continuons donc avec cette vidéo qui nous apporte vraiment beaucoup d'informations. On n'a pas besoin d'attendre le patch pour tout voir. Du coup, regardez donc, ils vont nous parler des autres ajouts dans l'update. Et ils vont nous parler en détail des commandants, de tous les commandants et épique et légendaire. Encore une fois, une nouvelle animation très sympa. Encore une fois, je trouve que c'est très très bien fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont encore plus travaillé cette sortie que la sortie des vikings. On passe donc à tout mot 6. 3 premier skill, on le connaît. Je vous les ai tous présentés. Hein. Direct dommage factor de 1000 sur 3 cibles. Alors oui, 1000, c'est pas énorme. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est sur 3 cibles en même temps. Il n'y a pas de diminution. En termes de nombre de cibles, c'est pas X pour la première, X moins 15% pour la seconde, X moins 15% encore pour la troisième. Non, c'est 1000 pour 3 cibles. C'est pour ça qu'il reste à 1000 et que ça ne bouge pas. Ça fait quand même 3000 de direct dommage factor. C'est pas mal du tout sans être trop puissant et 30% de heal en moins, de santé en moins pour les cibles. C'est énorme. Deuxième skill, on le connaît aussi, hein, les attaques d'archers 15%, le mar augmentation, le speed bonus des archers 10% et les dommages bonus de 15% encore une fois sur le à l'extérieur pardon du territoire d'alliance. Donc un deuxième skill qu'on connaît, les 4 skills je vous les ai déjà présentés, on en reparlera après la sortie dans cette vidéo là. Il nous montre que les deux premiers et vous le voyez, hein, on a aussi Walfura on a aussi Walfura je crois que c'est ça. Voilà les deux commandants qui nous permettent de faire des, des tours on, a, on voit les skills les animations des skills des, du commandant tommosis on a aussi imotep alors on avait peut-être pas je vous en ai pas parlé au niveau de l'arbre on est sur imotep archer garnison support c'est du très très lourd mais c'est ce qu'on savait déjà on est sur un commandant épique est ce que ce commandant épique archer sera le meilleur commandant épique Faudra le tester hein, pour voir ça. Pareil pour toute 6. En général, les commandants qui sont livrés avec les civilisations ne sont pas oufissimes. Ils nous montrent l'animation. Elle est sympa sans être exceptionnelle, cette, an cette animation. On est moins surpris que des animations comme celle d'YSS qui sont énormes. Et regardez pourquoi Lilith fait ça. Alors là, je m'interroge. Ils sortent en même temps Boudica Prime. Boudica avec son petit P pour Patatouin, hein, Archer. Versatility et skill, donc c'est intéressant. Est-ce est que ça va être un très bon commandant d'open field Faudra la tester, on la testera très rapidement. Mais là, pour le coup, on a aussi Henri V à tester, archer, conquête, support. À mon avis, lui, il va être lourd. La question légitime donc, que je me pose, c'est pourquoi sortir d'un coup 3 commandants légendaires, plus 2 nouveaux commandants légendaires pour faire des tourelles pour le KvK. Là je suis un petit peu perdu, ça force vraiment le trait, on a l'impression que Lilith veut vraiment nous licher toutes, notre sculpt toutes nos sculptures en or. Là il va falloir faire un choix à mon avis entre euh, Toutmo6, euh, Henri V et Boudica Prime. Alors évidemment mon conseil est de monter euh, s'ils sont bons hein, Henri V et euh, Boudica. Pourquoi Car Toutmo6, euh, normalement il devrait être dans les coffres en or c'est pour ça que je vous ai dit de garder vos clés en or pour les ouvrir dans le coffre. Hein. Donc les autres, on les récupérera dans le Toutmosis seulement hein, et euh, Imhotep on les récupérera dans les coffres en or et les coffres en argent aussi. Pour Imhotep, donc plus facile à monter. Les autres, ça va être pendant des events. Boudica sera pendant la roue de la chance. Et Henri V sera pendant le plus grand gouverneur. Ils l'ont dit dans la vidéo. Alors là, ils nous mettent un petit bêtisier pour montrer qu'on s'éclate chez Lilith. C'est de la balle normal. Hein. Il pense à Flèche qui claque tout son argent euh, sur euh, actuellement son KvK. Et ça me fait une transition parfaite pour vous montrer actuellement ce qui se passe sur le KvK du 1060. Alors le KvK du 1060, le 1060 c'est un royaume que personnellement j'aime bien, grosse communauté française, mais pas que un royaume de joueurs avec une réputation plutôt euh, sympa, mais ça se passe plutôt mal pour eux actuellement dans leur KvK et regardez, on a un florilège. Euh, Deux petits taunts, de petites provocations sur le Facebook. Hein. Je vous en montre un petit, un petit jeu là. Un petit jeu de 4 hein, avec euh, tout ce qui est les spectations, le résultat, hein, les choses les plus inutiles. Il critique flèche hein, Flesh hein. qui est un très gros youtubeur. J'aime beaucoup ses vidéos personnellement. Et pour finir, hein, le 1860 qui apparemment s'est fait enfermer par le 1021, le 1603 et le 2224. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite les amis. Donc on dézoome et on va voir ce qui se passe pour cette, finir cette vidéo sur le KVK du 1860. Est-ce qu'ils sont à présent totalement enfermés ou pas Le 1860 qui est le plus gros royaume et hein, l'un des plus gros royaumes, coffre d'alliance niveau 43. Hein, donc vraiment des très très grosses baleines. Hein. Et regardons donc ce qui se passe. La Havane, ils ont été enfermés. Mais bon, enfermé. Volontairement, puisqu'ils ont abandonné cette zone justement pour se concentrer au sud sur Zarat. Et finalement, ça tient côté Zarat. Ils ont failli se faire enfermer sur le côté. Ils sont sur cette zone-là. Plutôt sur cette zone-là en contact. Hein. Leur flag hein, ODM ne brûle pas. Et si on regarde de l'autre côté, ça ne brûle pas non plus ici. Si ça brûle, les H1021 et eh bien ça brûle. Hop, si on descend un peu plus au sud, est-ce que les flaques de zone brûlent aussi ici Non, c'est ici qu'il y a le gros des combats. Mais ça ne brûle pas ou ça ne brûle plus. Si il y a un flaque qui brûle aussi ici, c'est celui des DN1. Donc les DN1 sont en feu sur cette zone-là. Et sur celle-là, c'est la forteresse du B21. Donc, on peut dire là, dans ce qu'on regarde, les DN sont en train, le 1860, de reprendre l'avantage sur cette partie de leur KvK, sur la zone Zarat. Mais le gros problème pour eux, c'est qu'ils sont en train de laisser énormément de force, énormément de morts, et ils vont galérer de ouf. Pour le moment, pour le moment, le plus gros serveur, les 1860, n'ont pas accès en zone 6. Ils n'ont ni accès en Chiki, ni en accès en Brookton. Ça va être très difficile pour eux d'y avoir accès. Sauf, sauf si au sud... Les 1V viennent les aider, ce qui va forcément arriver, hein, les aider à sortir et à s'ibérer. D'ici là, ils ont le temps d'arriver à leur porte de niveau 5, mais ça va être très très tendu pour eux. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo de maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROC